deux semaines de ça, je plongeais avec des clients pour faire de la photographie sous-marine. Il a vu beaucoup, beaucoup de déchets. Il y a un client qui a fait une photo. Avec son sens de l'humour, il nous a envoyé ça de manière rigolote. Moi, je me suis senti un petit peu blessé en tant que Mauricien de voir autant de déchets liés à son commentaire. Donc, du coup, j'ai contacté les hôtels de l'environnement avec qui on travaille. L'idée, c'était en collaboration avec Blues Diving, qui est un centre de plongée qui existe dans plusieurs hôtels de la zone ici, les hôtels, et donc avec toutes les communautés, et puis les gens du MUG aussi qui étaient là. Il y avait des plongeurs du MUG qui étaient là, et puis des volontaires. Donc, l'idée, c'était de faire des nettoyages, donc d'abord sur des sites de plongée. Ensuite, il y a eu des bateaux de snorkeling, donc ceux qui voulaient faire du nettoyage en palme, masque et tuba, les hôtels avaient mis à disposition les bateaux de snorkeling. Donc des gens sont partis faire des nettoyages sur site aussi. Et puis, il y a eu un ramassage de plage pour ceux qui ne se sentent pas trop d'aller dans l'eau. Forever Blue, on est une association qui existe depuis 1998 à Maurice et nous avons nos principaux objectifs, la préservation de l'environnement marin, de l'environnement en général et surtout à travers l'éducation, la sensibilisation. Et également des événements culturels, hein, donc à but de sensibilisation, comme pendant des années on a organisé le Festival de l'image sous-marine hein, pour l'océan Indien. Et puis plus récemment, donc, des projets de terrain avec les communautés, comme le projet que nous menons autour de l'île d'Ambre, hein, dans le nord-est de Maurice. La nouvelle génération se montre intéressée, là, avec Forever Blue et la sensibilisation sur la plage. Il y a plein de gens qui ont réalisé qu'un plastique de bonbons prend 5 ans à se désagréger. Du fil de nylon 400 ans, une pile 5000 ans, sans oublier les acides qui sont dans les dégâts que ça fait. Donc voilà comment, avec l'aide du District Council, avec l'aide des Coast Guard, de la police, des 5 hôtels et des forces vives du coin, on est arrivé à faire une bonne journée. Succès total.